Bonjour à tous et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un opérateur. Vous en rappelez que moi, j'étais chez Numéricable et justement, Numéricable, bien sûr, on fait des conneries aussi, mais bon, en proposant n'importe quoi. Là, aujourd'hui, je vais parler d'Orange. Parce que vous saviez que j'étais chez Orange, par contre, Orange particulier, j'ai rien fait, j'ai payé et j'ai coupé la ligne, j'ai résilié, basta, terminé, il n'y a pas de problème. Mais Orange professionnel, il n'y a pas de problème et en même temps il y a un problème. Parce que le problème c'est quoi? C'est que il faisait des factures qu'on ne voulait pas vraiment, mais bon, on est toujours obligé. Alors, ça me fait rigoler parce que je connais ce genre de courrier, c'est des courriers qui ne valent rien du tout et qui ne servent à rien en réalité. Bon, bref. Alors, ce courrier destiné pour le litige avec Orange demande de régularisation d'Orange Génard. Non, j'ai pas envie de régulariser Orange. Non, pas du tout. J'ai pas envie. Parce que Orange est aussi des voleurs comme les autres opérateurs. Hein, faut le dire la vérité. Voici une facture. Appelez ça une facture si vous voulez. Vous voyez, hein, c'est une facture pour payer. Donc pour régulariser Orange. Et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que c'est des sociétés qui m'intriguent, qui me font rigoler, se font le style d'aide juridique. En réalité, c'est des petites merdes qui valent rien. Parce que normalement, depuis un bon moment, je devais recevoir ça. Et vous savez, c'est quand que j'ai reçu, ben, ça fait pas si longtemps que ça, soi-disant que l'adresse n'existait plus. Il y a un problème, hein, ils ne savent même pas utiliser Internet. Hein. Bref, voilà. Donc tout ça pour mon association Digitony 78. Voilà, Digitony Mantois. 114 rue Pierre-Sémard, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. C'est rien, c'est le téléphone. Bon alors, après, Célar, Alexandre et Asso. Associé étude d'huissier de justice 52 rue René Goscinny, boîte postale 991 211 1606. Alors, si vous préférez, hein, pour vous comprendre. Faut que vous compreniez, 16006 Angoulême, bof, CEDEX, DSO arrobase alexandre associé.com, téléphone 05 79 20 02 20, fax 05 45 92 36 60. Donc voilà, là ce que je vous donne, c'est des vrais détails. Hein. Voilà, numéro de téléphone. Donc, je vous lis la lettre parce que j'aime bien lire ce genre de conneries. Vous savez, j'adore. Angoulême, le 30-12-10-2017. Bon, ça, on s'en fout complètement des conneries. Référence à pas à rappeler sans faute au CV G 322 hein, 322 601 674 affaire Digitony 69 nanana créé ancien Orange on 78 rue Olivier de Service 75 015 Paris contrat
Numéro 01. Alors c'est 01 84 50 82 06 006. Ouais. Un peu bizarre cette histoire. Bon, c'est un contrat. Madame, monsieur, je suis chargé par Orangina France ex France Téléphone comme France Télécom de recouvrer à l'amiable la somme de 366,19 € au titre d'un impayé sur votre abonnement France Télécom, ligne fixe, compte numéro 01 34 97 66 31. D'accord, ça c'est la ligne fixe, hein. Mon ancienne ligne fixe. Alors, je vous demande de payer 366,19 € sous 48 heures. Parce que j'ai pas envie. Alors, je contenais, hein. Je suis votre unique interlocuteur et je souhaite que nous trouvions ensemble une issue, espèce de con, favorable à votre dossier. Je vous propose de vous accueillir acquitter de votre dette. Ouais, j'appelle ça une dette. 300, vous savez que 300, ça ne vaut rien à l'État. C'est que dalle. Je peux même vous dire que pour l'autre société, c'est pareil. Hein, c'est encore plus gros. C'était 4000 et quelques euros. Hein. Là, c'est que dalle. Hein. C'est vraiment que dalle. Et jamais eu de pour de suite. Alors, bref, maintenant, on continue. Hein. Soit en payant par carte bancaire, qui vous regarde pas, je m'en fous, sur mon site de paiement sécurisé social. 3xw.com. Identifiant 322-601-667-4. Code personnel. Oh, bah, je m'en fous, je le dis à tout le monde. 3241. Ça vous intéresse? Ben voilà, 3241. Vous pouvez taper ce code-là. Donc, alors, après, par téléphone en contactant mon étude au 05 soit en m'adressant le solde par chèque ou tout autre moyen de à votre convenance. Ouais, bah moi j'ai pas envie. Bien sûr, je continue. Hein. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de vos salutations distinguées avec un cachet idiot. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez lire. Hein. Si vous voulez, vous pouvez bien lire. Vous pouvez. Je peux vous donner les coordonnées. Tiens, je vous en prie. Voilà. Intéressant. Voilà. Et si vous voulez, la société. Voilà. Donc voilà. Donc, pour la société, Orangina, non. Parce que vous savez faire des choses. Hein, vous êtes comme l'opérateur SFR, l'opérateur numéricable et bien d'autres opérateurs. D'accord ? Donc, on n'a pas envie de payer, on sait pourquoi, on n'a pas envie. Ben, vous pouvez aller en justice, comme vous dites,
Mais en réalité, vous faites que dalle. Voilà, tout simplement. Ben voilà, 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 c'est juste ça, c'est vous faire comprendre qu'en réalité, c'est pour nous intimider. Voilà, c'est pour nous intimider. Voilà, tout simplement, nous intimider comme d'habitude. Voilà, c'est donc. Donc vous inquiétez pas, hein, si vous, ça vous arrive un truc comme ça, Orange va vous attaquer en justice, SFR va vous attaquer en justice, Bouygues va vous attaquer en justice, Free va vous attaquer en justice. Et il y en a beaucoup qui doivent attaquer en justice malgré que c'est rien du tout. Ça veut dire que, admettons que vous avez un litige de 120 euros, d'accord ? Et bien vos 120 euros, vous savez, c'est rien du tout parce qu'un justicier, ça coûte très cher. C'est pas 20 euros l'heure. Ou 50 euros à 70 euros l'heure. Donc ça sert à rien. C'est un truc qui va pas du. C'est juste. Pour faire croire, pour faire peur, quoi, c'est tout, voilà ce que je dis, d'accord, donc vous inquiétez pas, c'est rien, allez, je vous remercie, à la prochaine vidéo, Orangina, hein. Ça fait peur personne maintenant, avant j'avais peur, maintenant j'ai plus peur, allez, bye bye.